On parlait de la vacance du pouvoir. Ce qu'il faut savoir en la matière, c'est que lorsqu'on regarde le cas d'un pays similaire au Gabon, l'histoire nous montre que lorsque la vacance du pouvoir est déclarée, elle s'accompagne bien souvent d'une période d'instabilité dans laquelle certains essaient d'en tirer profit. Prenons quelques exemples. Le Burkina Faso, par exemple. Lorsque le président Blaise Compaoré a quitté le pouvoir et que la vacance de pouvoir a été déclarée, c'est le chef d'état-major des armées, le général Honoré Traoré, qui a pris le pouvoir et il s'est autoproclamé président de la transition. Même cas en Égypte. La Constitution prévoyait qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer l'intérim. Or, lorsque Moubarak est parti et que la vacance de pouvoir a été déclarée, c'est le Conseil suprême des forces armées qui a pris le pouvoir. Donc, on voit bien que quand il y a vacance de pouvoir, l'armée n'est jamais bien loin. Mais ce n'est pas toujours le cas. En Tunisie, par exemple, après le décès du président Essebsi, la Constitution a été respectée et c'est le président de l'Assemblée nationale, Mohamed El Nasser, qui a assuré l'intérim. Et donc la Constitution a été respectée. D'ailleurs, ils ont une élection sous peu. Concernant le cas du Gabon maintenant, qu'en est-il aujourd'hui du respect de la Constitution au Gabon et qu'en sera-t-il du respect de la Constitution au Gabon demain lorsque la vacance de pouvoir sera déclarée? Alors, trois schémas se posent. Tout d'abord, le schéma constitutionnel, c'est-à-dire que si le pouvoir souhaite se maintenir, soit il modifie la Constitution pour permettre au président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, d'assurer l'intérim, soit ils attendent la fin de mandat de la présidente du Sénat, Madame Mossouh, sachant que le mandat de la présidente du Sénat dure 6 ans et qu'elle a été élue le 25 février 2015, alors son mandat devrait se terminer en 2021. Ça, c'est pour le schéma constitutionnel. Maintenant, le schéma anticonstitutionnel. Là, il faudra regarder du côté de l'armée. Il faudra regarder qui sont les hommes forts de l'armée et surtout, et plus important, qui est l'homme politique qui les a placés à cet endroit. D'ailleurs, nous avons vu récemment qu'il y a eu des nominations dans l'armée et il y a eu des montées en grade. Donc, il faudra garder un œil de ce côté. Ça, c'est pour le schéma anticonstitutionnel. Maintenant, Brice Alonga-Macruche est le schéma traditionnel. C'est le schéma qui a le plus de probabilité de se produire. C'est-à-dire qu'on va dire de Brice Alonga-Macruche, qui n'est pas reconnu, que son acte de naissance est douteux, que l'article 10 de la Constitution devrait l'empêcher de se porter candidat à l'élection présidentielle. Et donc, on revient à un schéma identique à celui qu'on a vu avec l'élection d'Ali Bongo en 2009 et en 2016. Et si en 2009 et en 2016 c'est passé, il n'y a pas de raison pour que ça ne repasse pas de nouveau. C'est-à-dire que, voici comment ça va se passer. Brice Alonga-Macruche va dire qu'il est gabonais. On va lui répondre qu'il n'est pas gabonais, qu'il est de père et de mère français. Lui, il va dire le contraire. La Cour constitutionnelle va trancher en sa faveur, sa candidature sera validée et puis c'est fini. Ce sera fini tout simplement parce que la Cour constitutionnelle qui avait validé l'élection d'Ali Bongo en 2009 et en 2016 a été reconduite. Et on sait toujours de quel côté elle penche. Donc c'est du bis repetita. Ensuite, il a couplé le ministère de l'Intérieur et de la Justice qu'il a remis à son ami, le fils de Mbongo Mayakou. Et enfin, la CENAP qui avait favorisé l'élection d'Ali Bongo en 2009 et en 2016 a aujourd'hui changé de nom et se fait appeler le Conseil gabonais des élections. On a changé l'emballage, mais le contenu reste le même. Ce Conseil gabonais des élections est totalement aux ordres du PDG et de ses satellites. Et donc, les résultats qu'ils proclameront via le ministère de l'Intérieur seront validés par la Cour constitutionnelle, dont on dit qu'elle est favorable aux ordres, dont on dit qu'elle est aux ordres du PDG. Il y aura des manifestations qui seront encore réprimées, c'est le schéma le plus probable. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on risque d'arriver à la même situation. Tout ça pour dire que les choses vont se passer aux yeux et au-dessus de tout le monde, et demain, personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant ou qu'il n'avait pas été prévenu parce que c'est en train de se jouer en ce moment même. Brice Alonga-Macruche a entamé une tournée dans tout le Gabon, ce qui est quand même surprenant de la part d'un directeur de cabinet qui n'est ni un élu local, ni un élu du peuple. Personne n'arrive à l'arrêter aujourd'hui. Les seuls qui pouvaient le faire, c'est la Cour constitutionnelle ou la justice. Mais qui va le faire? En tout cas, ce n'est pas l'armée. Avec les nouvelles nominations qu'il y a eues, ce n'est pas eux qui vont l'arrêter. Donc, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il est en train de dérouler son jeu. Il s'est tracé un boulevard vers le bord de mer et donc les schémas de 2009 et de 2016
vont se reproduire sauf si quelqu'un se lève et arrête Brice dans son élan. Tout ça se résume à deux questions. Faut-il se précipiter vers la vacance de pouvoir? Et si oui, comment se préparer face à ces trois éventualités que nous vous avons soulevées plus haut? Nous sommes arrivés à la fin de cette analyse et nous sommes certains de vous avoir apporté des éclairages sur ce qui va se passer demain au Gabon. Nous tenons à vous remercier de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt. Merci. Ok. Ok, bonsoir à tous. Désolé, ma caméra était trop floue. Voilà, donc je demanderai, comme vous le connaissez, hein, vous savez comment ça se passe tout le temps, hein, on peut partager le live. Hein, partager le live, c'est la première chose à faire. Merci de bien vouloir partager le live. Okay. Voilà, donc partager le live pour ceux qui peuvent bien partager le live. Et. Bien. Déjà, me dire aussi si le son est bon. Hein. Désolé, hein. Je suis un peu. Je sors un peu des nuages. Ok, de bien commencer par me dire si le son est bon. D'accord, c'est la première des choses. Et ensuite, de bien vouloir partager le live. Alors, le partage, vous savez comment ça se passe, Facebook, WhatsApp, groupe ou encore messagerie. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe au Gabon, mais on va parler de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. J'ai beaucoup apprécié l'analyse de notre frère en question. Hein, je l'ai suivi peut-être deux ou trois fois. J'ai encore suivi encore et encore et encore. Et je me suis dit, au lieu de vous mettre une chanson pour commencer, autant vous donner, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de suivre la vidéo, elle est sur mon mur, donc prenez-la et partagez-la si vous la voulez. Mais nous allons parler de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. La fois dernière, j'ai fait un live où je vous ai parlé un peu de ce qui s'est passé entre Frédéric Bongo. D'accord? Ce qui s'est passé quand on parlait de Frédéric Bongo. Je vous ai dit que ce qui a ruiné l'élan de Frédéric Bongo a tout simplement été la campagne que nous sommes mis à faire juste au moment où il était présenté comme étant le successeur d'Ali Bongo. Rappelez-vous. Le cas de Frédéric Bongo n'a surtout pas marché parce que Frédéric Bongo n'avait plus ou n'avait pas l'appui de Sylvia Bongo. Après Frédéric Bongo, on s'est retourné du côté de la cruche. La cruche a bénéficié d'un tapage médiatique et surtout d'un appui financier énorme qui est parti de rien pour commencer aujourd'hui à exister. Moi, pour moi, il n'existe toujours pas. Et c'est là où le live va vraiment prendre son sens. Alors, avant d'aller plus loin, je vais d'abord vous dire ceci. Le divisé pour mieux régner est énormément présent dans notre combat. La cruche était censée faire le tour du Gabon, mais il n'a pas fait le tour du Gabon. Il a fait trois provinces et après ça, il s'est arrêté et il est parti en France. La cruche a fait le Haut-Togo, la Nyanga et le Wellington. Pourquoi il a fait ces tours de province? Dans quel but les a-t-il fait? Effectivement, une partie de l'analyse de notre frère est vraie. La cruche a réellement les ambitions présidentielles. Mais il y a un souci. Entre avoir l'envie d'être président et pouvoir être président, c'est deux choses différentes. La France ne soutient pas les faibles.
la France soutient toujours les plus forts, ceux qui peuvent leur lui garantir d'avoir le pouvoir, de le conserver, mais surtout de maintenir la stabilité. C'est la raison pour laquelle la France a porté son choix sur Ali Bongo en 2009. Il avait l'armée, il avait les moyens et il pouvait garder, pas la stabilité forcément du pays, mais la stabilité de son pouvoir. C'est la raison pour laquelle la cruche procède de la même manière. Pas forcément parce qu'il a le pouvoir, non. Mais la cruche a un argument qu'aucun homme politique n'a su jusqu'à aujourd'hui déjouer. À papa m'a dit. L'argument papa m'a dit. Quand je dis papa m'a dit, c'est Ali Bongo a dit, le chef de l'État a dit. C'est le seul argument que la cruche a, c'est la seule arme qu'il possède. Malheureusement, aucun homme politique n'a su trouver le moyen clair, précis, pour déjouer cette expression. Il faut bien comprendre ce que là où je veux en venir. Et je demanderai à ceux qui se connectent à l'instant de bien vouloir commencer par partager ce live. C'est très important ce que je veux dire. Très, très important. Partagez-le. Alors, sur un seul argument, papa m'a dit, un seul argument, Ali Bongo a dit, c'est avec cet argument que la cruche est partie de rien à ce qu'il est aujourd'hui. Mais surtout, à cause des partages, à cause de l'accord, l'importance accordée à sa personne par l'opposition, mais surtout par les activistes. Alors que si nous avons procédé comme nous avons procédé avec Frédéric Bongo au départ, la cruche ne sera pas un problème pour nous. Il ne l'est même toujours pas en réalité. La question d'Ali Bongo, en vie ou mort, a été, depuis le début on vous l'a dit, un moyen de gagner du temps. Et vous avez vu la campagne qui avait été lancée, notamment sur mes appareils, les pirateries, essayer de cracher mes ordinateurs. Lorsque je parlais d'Ali Bongo est bel et bien mort dans les débuts. Rappelez-vous, lorsque j'ai fait mes démonstrations et mes vidéos, vous avez vu combien... Et c'est même à ce moment-là que mon audimat avait vraiment atteint le sommet des sommets. Et les tentatives de me bloquer, de bloquer mon compte, de m'attaquer étaient régulières parce que le fait de dire qu'Ali Bongo était mort et qu'il n'avait pas d'éléments pour pouvoir prouver le contraire portait atteinte à leur stratégie qu'ils étaient en point de mettre en place. Malheureusement, cette communication n'avait jamais été soutenue par la classe politique parce que n'ayant pas de stratégie justement prête pour pouvoir maintenir ce rythme, on nous a vu, on a vu une opposition qui est devenue muette. Muette comme Ali Bongo l'était, muet aussi l'opposition l'a été. Et nous avons continué néanmoins à donner des coups là-dessus, à bombarder là-dessus, à mettre la pression là-dessus. Et eux, ils ont continué à sortir des vidéos en vidéo, vidéo en vidéo, et à chaque fois démonter l'une après l'autre. La question n'était pas de savoir si Ali Bongo est en vie ou il est mort. La question était pour eux, à eux, de démontrer qu'il était en vie. Mais à chaque fois qu'ils sortaient un élément, cet élément ne tenait pas la route. À chaque fois qu'ils sortaient un élément, cet élément ne tenait pas la route. Mais seulement à ce moment-là, ils prenaient du retard à pouvoir déballer leur plan. Parce que la première des choses était de rassurer aux gens qu'Ali Bongo est bel et bien en vie. Parce qu'après que le fait qu'on ait rassuré aux gens qu'Ali Bongo est bel et bien en vie, on pouvait maintenant utiliser l'argument qu'aujourd'hui utilise la cruche de « Papa m'a dit, Ali Bongo m'a dit, il m'a instruit, c'est Ali qui m'a envoyé. » Parce que tant que l'on ne pouvait pas qu'Ali Bongo était en vie, on ne pouvait pas débattre sur cette question. On ne pouvait pas utiliser cet argument.
Il faut que vous compreniez. Je tiens d'abord à revenir sur l'histoire pour que vous compreniez exactement, selon mon analyse, ce qui se passe actuellement. Alors, nous avons continué. Il y a eu changement de gouvernement, prestation de serment. Il y a eu tellement d'éléments qui ont été vraiment incapables d'être justifiés par le pouvoir, mais surtout incapables de pouvoir acquérir, du moins, de voir la crue s'acquérir de l'expression « Ali m'a dit, le chef de l'État a dit ». Vous comprenez? On ne pouvait pas utiliser l'expression de « Ali a dit » et on ne pouvait pas utiliser au mieux la signature d'Ali. Il faut que vous compreniez cela. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les activistes se sont calmés sur la question d'Ali Bongo est en vie ou il n'est pas en vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait certains qui portaient la question sur le fait qu'on aurait dit qu'il est aveugle, on aurait dit qu'il ne marche pas, on aurait dit ceci, on aurait dit cela. L'objectif a toujours été de vous montrer qu'il est malade, d'accord? Mais il peut donner des injonctions. Il peut donner des instructions. La question n'est pas de savoir de vous dire qu'il est en forme. Parce qu'Ali est en forme, Ali est censé rencontrer des gens. Ali est en forme, Ali est censé aller vers les populations. Ali est en forme, il est censé faire certaines choses. Mais non, on vous dit qu'il est malade. Il est malade, par conséquent, il ne peut que donner des injonctions et nous ne pouvons que essayer d'appliquer ces injonctions. Pourquoi Ali Bongo n'est pas dans le Haut-Ogoué? C'est parce qu'il est malade. Pourquoi Ali Bongo n'est pas au Yem? C'est parce qu'il est malade. Pourquoi Ali Bongo ne peut pas faire telle ou telle chose? C'est parce qu'il est malade. Par conséquent, Ali a dit à la cruche à Lianga. Vous comprenez? La question de maladie d'Ali Bongo ne dérange pas le système. Au contraire, ça ne dérange pas le système parce que ça permet à la cruche à se servir de l'expression « Papa m'a dit ». Ali a dit. Ça, c'est la seconde chose qu'il faut d'abord déjà prendre en compte. Et je demande encore à ceux qui viennent se connecter de bien vouloir commencer par partager le live. Une fois que c'est fait, lorsque la cruche fait ce mouvement ou fait cette action, c'est évidemment avec l'appui de la France. La France n'est pas là pour se rassurer si Ali va prendre le pouvoir ou pas. La France est là pour se rassurer qu'il y aura un homme fort au pouvoir qui pourra garantir les intérêts de la France, mais surtout maintenir les accords entre Paris et Libreville. C'est ce qui intéresse la France. Il s'en fout de qui prend le pouvoir. Il veut juste que la personne puisse garantir les intérêts de la France, mais maintenir les accords entre Paris et Libreville. Ça, c'est ce que la France, c'est ce qui intéresse la France. Il s'en fout du reste. Alors, qui peut garantir les intérêts de la France? Celui qui peut garantir les intérêts de la France est évidemment celui qui aujourd'hui, aux yeux des Gabonais, est présenté comme le potentiel successeur d'Ali. Parce que l'on dit qu'il a la capacité de pouvoir faire. Il a la capacité de pouvoir faire. Il a la capacité de pouvoir faire. Nous sommes toujours dans l'idée que la cruche est un homme qui est doté d'une capacité intellectuelle ou pas, mais surtout qui a la capacité de pouvoir faire. Pouvoir soulever des foules, pouvoir nous emmener à parler de lui de longueur de journée, du matin au soir, pouvoir extérioriser ce qui semble être notre peur, celle-là que la cruche puisse prendre le pouvoir, pouvoir se présenter aux élections, pouvoir être adobé par la tour de Pise, pouvoir unir en image le Olentem, la province que même Omar Bongo de pendant 42 ans n'a pas pu acquérir. Mais ce qui est encore intéressant, c'est que les médias, les activistes ont permis à ce que ces rencontres tournent en problème ethnophobie.
Aujourd'hui, oui, les femmes, vous êtes des traîtres. Mais vous pensez que quand vous dites les femmes, vous êtes les traîtres. Vous pensez que la cruche, il est déçu, mais il est content. L'objectif était ça. C'était ça l'objectif. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après? Qu'est-ce qui s'est passé après? La cruche n'a plus fait le tour du Gabon. Il a fait les provinces les plus importantes. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le vol, il s'est rendu à Paris. Il faut bien voir. Il a pris le vol, il s'est rendu à Paris. L'objectif de la cruche a été de trouver des éléments à pouvoir convaincre la France que c'est le bon candidat qui peut garantir les intérêts de la France, mais surtout maintenir les accords entre Paris et la France. Mais surtout, qui peut réunir les Gabonais. C'est ça l'objectif. Avant que la cruche ne puisse réaliser son fantasme, il faut qu'il soit adobé par la France. Pour être adobé par la France, sa couleur de peau est déjà un gros handicap. Et c'est là que vous devez comprendre une chose. Sa couleur de peau est un gros handicap. Un gros handicap. Parce que la cruche a deux rôles. Soit, premier rôle, il se joue le rôle de l'heure. Pendant que le PDG astique leur candidat, soit il tente sa chance, mais pour cela, il a besoin d'éléments. Pourquoi? Les éléments sont lesquels? Les rencontres dans les différentes provinces phares, mais en plus, les images sont importantes. Nous avons vu une image où la cruche se faisait des civilités par un gendarme dans une commune, dans une province. Nous avons vu des images où la cruche se faisait chanter avec une foule derrière lui dans le nord. Nous avons vu des images où la cruche se faisait accompagner par des foules dans le Haut-Ogooué, dans la Nyanga. Même si l'idée n'est pas de savoir ce sont des foules. Parce que nous savons que 10 personnes ou 100 personnes derrière toi, une photo prise. D'accord? On a l'impression qu'ils sont tellement nombreux. Oui, nombreux sont les personnes qui se sont rendues au niveau d'Oyem. Et je tiens à rappeler aux gens, près de 800 individus sont partis de Libreville. Et je tiens à rappeler aux gens aussi que le Nord est composé en grande majorité de Camerounais, d'étrangers qui sont là-bas nombreux, qui sont les plus présents lorsqu'on demande à ce que les gens viennent faire des foules. À Libreville, nous avons vu des Ouest-Africains énormément présents dans les foules, dans les meetings. Au cours même, je vais aller plus loin, le défilé, les Gabonais sont partis par curiosité. Mais voyez vous-même ceux qui étaient devant. La plupart étaient des étrangers. Ils jouent avec l'image. Et ça, c'est une stratégie qui a été utilisée par Omar Bongo depuis des années. Et nous le savons tous. Mais en plus, ce que la cruche a bénéficié qu'Omar Bongo n'avait pas, qu'Ali Bongo n'avait pas, c'est les réseaux sociaux où des activistes à tour de rôle viennent vendre leur peur de voir la cruche prendre le pouvoir. Ce qui fait que la cruche qui n'était rien, du jour au lendemain, commence à devenir une chimère pour les Gabonais. Donc pour lui, devient important. Et la peur est justement cette arme-là que Ali Bongo a vendue à la France pour être maintenu, soutenu par la France. Mais peu importe. Mais peu, vraiment peu importe. Ce qui est encore important à comprendre, parce que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il faut qu'on parle de ce qui se passe aujourd'hui. La vacance de pouvoir sera bel et bien prononcée. Et c'est une question de jour. Ce qui est paradoxal, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que la cruche, je vais vous lire un article. Un article paru sur
Gabon Media Time, aujourd'hui. D'accord? Vous allez comprendre mieux ce qui se passe. Et vous allez savoir mieux ce qu'il faut faire ou ne faut pas faire. Gabon Media Time écrit ceci. On lit ensemble. Gabon, le recadrage raffiné d'un corbeau à la cruche à Lianga. C'est qui un corbeau? Un corbeau n'est tout autre que le premier ministre. Est-ce que vous comprenez? Un corbeau n'est tout autre que le premier ministre. La Constitution prévoit ceci. Après le chef de l'État, c'est le premier ministre. D'accord? Après le premier ministre, nous avons les deux chambres parlementaires. La Cour constitutionnelle est là juste pour jouer les arbitres entre ces chambres et la présidence et le gouvernement. En aucun cas la Constitution ne prévoit un pouvoir quelconque au directeur de cabinet du président de la République. En aucun cas. Notre première erreur a été, depuis l'arrivée d'Akrombessi, de considérer que le directeur de cabinet pouvait avoir du pouvoir ou pouvait avoir un impact sur le fonctionnement de l'État. Mais vous allez me demander, pourquoi est-ce que le directeur de cabinet a ce pouvoir aujourd'hui? Il aurait été facile pour Ali Bongo de mettre Akrombessi ministre, premier ministre. À ce moment, légalement, Akrombessi aurait joui de ce pouvoir qu'il avait même en étant directeur de cabinet. Parce qu'effectivement, Akrombessi, en étant directeur de cabinet, avait le pouvoir du premier ministre, voire même le pouvoir du président de la République. Lorsque la cruche prend le cabinet de la présidence de la République, il hérite automatiquement de ses pouvoirs qui sont en réalité qu'un leurre. C'est un leurre, en réalité. On parle d'abord sur l'aspect légal. La Constitution ne prévoit pas que le directeur de cabinet ait le pouvoir de faire aucune nomination, ni quoi que ce soit. Ni de parler au nom du président. Parce qu'il y a le porte-parole de la présidence de la République. Il y a le porte-parole du gouvernement. Il y a le premier ministre. Ce sont des personnes qui peuvent en quelque sorte parler au nom du chef de l'État. Et non le vice, et non le directeur de cabinet. Mais non. Une fois que cela est dit, on va revenir sur la question de Corbeau-Calle, sur la question de la cruche, mais surtout sur la question d'Akrombessi. Pourquoi Ali Bongo n'a jamais fait d'Akrombessi le premier ministre? Tout simplement parce que la primature est un poste de partage leurré entre griffes, parce que ce n'est pas un véritable. Mais c'est un partage politique et non véritable du pouvoir. Omar Bongo et Ali Bongo n'ont jamais failli à la règle. Bien quand il a mis Issoufou Ngondé premier ministre, mais c'était vraiment exceptionnel. Le partage du pouvoir est symbolique, surtout quand il s'agit de sur l'aspect politique, pas réel, parce que le premier ministre n'a pas vraiment cette force. Mais c'est un leurre pour les populations du Nord, Fan en général, de faire croire que le pouvoir était partagé entre le Sud et le Nord. Je suis président de la République et toi, tu es premier ministre. Partage de pouvoir. Il s'agit de la géopolitique. Ali Bongo aurait mis Akrombessi premier ministre. Cette géopolitique aurait failli. C'est la raison pour laquelle il fallut lui donner un pouvoir équivalent ou même plus, sans pour autant que le poste qu'il occupe ne puisse influencer sur la géopolitique. C'est la raison pour laquelle
Akromessi, en étant directeur de cabinet, a hérité du pouvoir du premier ministre, mais aussi du pouvoir du chef de l'État. Et c'est cette même chose que la croche Akrisharyanga a hérité. Mais paradoxalement, institutionnellement, en termes d'éthique, de honte ou pas, je dis bien, de honte ou pas, lorsque le premier ministre, l'homme qui est censé avoir tous les pouvoirs après le président de la République, selon la Constitution, dit ceci, on lit ensemble, au moment où le directeur de cabinet politique du DCP, Brice Lacruche, vient d'achever sa tournée, je lui exprime mon soutien pour cette initiative dont l'objectif était de délivrer un message du président du parti et recueillir le pouls des populations de l'Interland Gabon. Ici, il s'agit des propos du premier ministre, celui qui était censé faire ce que lui-même est en train de citer dans ses écrits, dans ses propos. C'est un peu comme si vous étiez père de famille et le voisin vient chez vous, il fait à manger à la maison, il paye le loyer, il paye la popote, il envoie vos enfants à l'école et vous vous dites, vous venez témoigner en disant que le voisin a fait exactement ce que vous, en tant que père de famille, êtes censé faire. Ça veut dire que volontairement, vous démissionnez de vos prérogatives, vous démissionnez de vos droits, vous démissionnez de votre devoir. Ça veut dire que volontairement, vous dites que je ne suis rien, vous dites que je n'ai pas de pouvoir, vous dites que je ne vaux rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Ici, je suis en train de vous parler d'un corbe calme, le premier ministre gabonais. Un homme qui a plus d'expérience en termes de politique par rapport à moi. Un homme qui ne peut pas être mon père, mais peut-être même mon grand-père. Un homme qui connaît mieux la question politique que moi. Un homme qui nous a fait savoir que aujourd'hui, on peut éliminer les étudiants qui se sont formés en lettres qui existent à l'UOB parce qu'ils doivent se recycler dans d'autres formations. Un homme qui dit clairement qu'une génération d'étudiants, une génération, je dis bien une génération entière d'étudiants, sera tout simplement exécutée. Parce que l'État a de nouvelles prérogatives, a un nouveau plan de fonctionnement. C'est cet homme qui dit cela. Vous allez me dire, mais oui, parfait, tu sais, il a parlé comme ça, c'est une femme, c'est ceci, c'est ce machin. Attention, c'est là où ça devient intéressant. Un corbe calme n'a pas fait ce tweet par hasard. Je vais le relire et il faut que vous compreniez, il faut que vous compreniez très bien. Et je demande à ceux qui se connaissent à l'instant de bien vouloir partager le live. Il dit ceci, au moment où le directeur de cabinet politique du DCP, d'accord, Brice Lacruche vient d'achever sa tournée, je lui exprime mon soutien pour cette initiative dont l'objet était de délivrer un message du président du parti. Qu'est-ce que vous remarquez? Deux mots. Le DCP du parti. Un
message du président du parti. J'aimerais que vous reveniez sur ces deux mots-là. Le DCP politique, un message du président du parti. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Les mots sont choisis pas par hasard. Pas par hasard. Le tour du Gabon, de la cruche, c'était en fait une pré-campagne. Est-ce au nom de la cruche ou est-ce au nom du parti? Qui est réellement le président du Parti démocratique gabonais? Est-ce que c'est Ali Bongo ou est-ce que c'est un autre que nous allons découvrir dans bientôt? Première question. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que ce tweet est un appui important pour la cruche qui, au moment où je vous parle, est en France. Il n'est pas à Londres. La cruche n'est pas à Londres. Il est en France. Après sa tournée, il ne s'est pas rendu à Londres au chevet de celui qu'on dit qu'il est malade, le mort vivant, qu'il aurait initié, qu'il aurait donné, qu'il aurait instruit de faire ce tour, mais il s'est rendu en France. En France. La cruche n'est pas partie à Londres pour rendre compte de sa tournée, mais il est parti en France après sa tournée. Donc, après avoir pris des images, après avoir bénéficié la déclaration forfait, là il a déclaré forfait, Colbecal, en tant que Premier ministre, je déclare forfait, je n'ai pas de pouvoir. Après avoir bénéficié des analyses des uns des autres où la cruche serait devenue l'homme fort, l'homme puissant qui gouverne, qui dirige au Gabon, il a pris toutes ces vidéos, toutes ces analyses, toute cette peur. Et il s'est rendu, pas à Londres, mais il s'est rendu en France. La cruche est allée déposer sa candidature de succession d'Ali Bongo. La cruche est allée se vendre, se promouvoir auprès de la France afin qu'il soutienne son désir de candidature. Et tout ça avec notre participation. Et tout ça parce que l'on présente la cruche comme un nom politique. La cruche est un voleur, c'est un menteur, c'est un criminel, comme l'est Frédéric Bongo. Il fallait que nous montrions au monde ce qu'est la cruche pour qu'il perde en crédibilité comme a perdu Frédéric Bongo en crédibilité. C'est ce qui aurait fait en sorte qu'il ne puisse pas gagner en image, en influence. Et je continue à le dire, il n'a aucune image et aucune influence. Mais selon tous ces éléments qu'il a déjà acquis, il s'est rendu en France pour présenter son désir de candidature. Quand bien même, au départ, il puisse être un leurre pendant que le candidat du PDG bis de rechange se prépare. Là où moi et les hommes politiques, on ne s'entend pas, c'est justement à ce niveau-là. Parce que avec les hommes politiques, nous sommes toujours sur la question du sourd-muet. Aucune stratégie sur le terrain. Mais ce qu'on se presse à faire, c'est de parler de la traîtrise du peuple parce qu'ils se sont rendus à un meeting. Mais si vous avez peur des images,
Si vous avez peur des images, mais prenez le terrain. Occupez le terrain. Vous ne le faites pas. J'ai lu quelque part que la cruche aurait reçu les clés de la ville, de la province du Wolentem ou de la province d'Oyem. J'ai vu des gens s'offusquer. Le maire actuel d'Oyem est un pédégiste. Le gouverneur d'Oyem est un pédégiste. Quelles sont les personnes qui sont susceptibles, d'accord, susceptibles de remettre à la cruche la clé d'Oyem? C'est soit le maire qui est un pédégiste, soit le gouverneur qui est un pédégiste. Le geste de remise de la clé se fait entre pédégistes qui veulent donner de la valeur au personnage qui est arrivé au milieu, qui est arrivé au Yem, qui est arrivé à ces lieux. Comment vous ne pouvez pas comprendre cela? Pensez-vous que Vincent et Solomonge va prendre la clé d'Oyem et donner à la cruche? Non. Il n'y a que le maire qui est un pédégiste, le gouverneur qui est un pédégiste, qui peuvent poser cet acte. C'est un acte politique qui se fait entre membres du même parti. C'est une stratégie qui a simplement pour but de vous emmener à croire et à comprendre ou à définir ou à penser que les populations du Nord sont acquises. Et quand je parle du Nord, je parle de toutes les autres provinces. La cruche est allée à Oyem et dans cette province dans le seul but de prendre ces images et se rendre en France, là où il est actuellement. Mais vous savez ce qui est quand même paradoxal, ce qui est assez amusant, c'est que quand on en parle, au moment où je vous parle, il se pourrait que Kuna et Marie-Madeleine Bourantou se soient rendus en France. Il se pourrait, je dis il se pourrait parce que je n'ai pas encore vérifié l'information, mais il se pourrait que Marie-Madeleine et Kuna se soient rendus en France. Qui est Marie-Madeleine? Marie-Madeleine est celle qui va chanter sur la tour de Pise. Qui est Kuna? Kuna est le rejeton de ce qui reste des services secrets du Gabon. Du moins, j'ai envie de vous dire que Kuna est celui qui gère l'armée gabonaise aujourd'hui. Parce que le chef d'état-major et le reste, ce sont que des pantins. Nous n'avons plus d'armée, nous n'avons plus d'officiers capables de faire quoi que ce soit. Donc, l'armée, plus que Kuna, était parmi les personnes qui ont zigoué les Gabonais en 2016. Donc, on prend celui qui peut avoir la garantie militaire. On prend celle qui va faire le chant à la tour de Pise. Et ensuite, je me rends avec les documents, les photos, les images, les peurs des Gabonais sur les réseaux sociaux, les analyses qui font de la cruche le tout puissant. Et je me rends en France et je dis aux Français, me voici, j'ai avec moi l'armée par Kuna, j'ai avec moi la tour de Pise, j'ai avec moi les images qui montrent que les Gabonais m'aiment bien, je suis le candidat idéal pour prendre le pouvoir. Fin des attentats. Et tout ça, notre opposition est tranquillement assise. Ping travaille dans l'ombre, on dit. Et tout ça, nous on est trop compliqué, trop occupé à dire oh Yavitch et Sean Brydon, ils ont des problèmes. Vraiment, hein, les Gabonais. Pendant tout ça, nous on est trop occupé à dire oui les femmes, vraiment, hein, c'est vous qui avez reçu la cruche. Je vous ai dit la dernière fois que mes frères, mes sœurs, l'heure est
au rassemblement. L'heure est au rassemblement, mes frères. L'heure est au rassemblement. L'heure n'est pas à la distraction. Chaque élément qui est fait aujourd'hui, qui est posé aujourd'hui comme acte, a simplement pour but de l'événement qui va s'annoncer dans quelques jours. J'ai bien dit dans quelques jours. Dans quelques jours. Non, je ne dis pas que Ping est tranquille. Ping fait son travail à son niveau. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je parle de la classe politique de l'opposition, il n'y a pas que Ping. Même si... Donc personne d'autre dans l'opposition ne peut poser d'acte politique face à ce qui se passe là. Personne d'autre. Donc ça veut dire que l'opposition, ce n'est que Ping. Il n'y a pas, il y a personne d'autre. Même Jean-Yves, mais personne d'autre ne peut emmener une communication qui vise justement à éclaircir, à ouvrir, à empêcher que ces événements se produisent. C'est nous les activistes qui passons des longueurs de notre temps, des longueurs de notre temps à essayer de décortiquer des images, de décortiquer des éléments, des indices qui traînent sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas au Gabon, mais on voit un post, on voit un article, on voit ceci, on a une information, on essaie de composer le puzzle pour essayer de voir comment on peut éclaircir les Gabonais. C'est nous qui sommes à chaque fois en train d'essayer de donner un coup de souffle, une impulsion, de donner un électrochoc dans les populations. C'est toujours nous qui le faisons. Mais les hommes politiques sont toujours là, tranquilles. Voilà. Ah, vous êtes des activistes, nous on est des hommes politiques. Ils se sont même dit que le fait d'être un homme politique fait de toi une personne supérieure à un activiste. Ah, parfait, tu n'es qu'un activiste. Jean Guénon, c'est un homme politique. Il a une longueur d'avance sur toi. Non. Ce n'est pas une question de longueur d'avance, non. Pas du tout. C'est un principe. Ce que nous faisons est insuffisant. Ce que vous faites est insuffisant. Ensemble, nous pouvons faire mieux et bien. Tout ce que je fais là, tout ce que je dis là, ce ne sont que des analyses, des hypothèses que je tire par rapport à des éléments que j'ai, qui ne sont pas forcément très loin de la vérité. Mes hypothèses ne sont pas toujours justes, mais elles ne sont jamais loin de la vérité. Pour revenir sur la question de la vie ou la mort d'Ali Bongo, si la cruche avait fini de faire son tour du Gabon et qu'il doit rendre compte, s'il quitte le Gabon, le premier endroit à aller, c'est où? C'est à Londres ou bien c'est en France? La cruche est rendue en France. Bolanto se serait rendu en France. Kouna se serait rendu en France. Boronto, symbole. L'institution. Kouna, symbole. L'armée. La cruche avec les images et la crainte des Gabonais, tout ça mélangé, c'est un candidat qui va se positionner et qui va solliciter le soutien de la France. Mais nous, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons rien. Du moins, rien de palpable encore. Moi, je ne vois rien. Mais c'est important d'en parler. C'est important de l'expliquer. C'est important de le partager. Donc, nous avons commis beaucoup d'erreurs en présentant la cruche comme un potentiel candidat à quoi que ce soit. C'est un vaurien, c'est un voleur. Ça peut se prouver. C'est un menteur. Ça peut se prouver.
C'est un escroc, ça peut se prouver. Il fait faux usage de faux, ça peut se prouver. Pourquoi est-ce que l'on ne communique pas sur ce qu'il est réellement? Je vois des postes des opposants. Oh, la cruche dirige au Gabon. Un directeur de cabinet qui dirige au Gabon. Tu es Gabonais, homme politique. Tu écris sous ta page que la cruche gouverne le Gabon. Tu manifestes de ta bouche que la cruche Alianga gouverne le Gabon. C'est lui qui dirige le Gabon. C'est lui qui nomme les premiers ministres. Tu le dis de ta bouche, tu confesses cela. Et tu crois que ça tombe par terre? Mais non. Tu lui confesses ce pouvoir. Tu lui donnes ce pouvoir. On m'a dit que Frédéric Bongo était le directeur, le chef des renseignements de quoi? Un marmiton? Un marmiton, pas les renseignements de mon pays. Et je le lui ai bien fait savoir et je continuerai à le lui faire savoir. Il ne gère pas les renseignements de mon pays. C'est un proxénète. C'est tout ce qu'il vaut. Il ne vaut rien du tout. Il n'a qu'à aller apprendre à ranger les boîtes de sardines à l'Economa. C'est ce qu'il vaut. Et je n'ai jamais cessé de le faire savoir. Mais la cruche, c'est qui? C'est un voleur. C'est qui la cruche? C'est qui la cruche? Comme le disait l'André Maire Washington la semaine dernière. S'il te plaît, parfait, s'il te plaît. Ne me parle pas de la cruche. C'est qui la cruche? La cruche, c'est quoi? Laisse-moi celui-là. Il ne sera jamais. Il est là pour manger son argent. Il ne sera jamais. Mais il fantasme. Il veut. Le fait qu'il ne soit pas n'est pas une raison de ne pas vouloir. La cruche ne veut pas forcément que le candidat que la France aurait choisi soit lui. La cruche voudrait bien qu'on le choisisse lui. Par conséquent, il se sert de cette confession que beaucoup parmi nous avons fait, que ces politiciens font. Depuis qu'on a vu un directeur de cabinet faire ceci, depuis quand un directeur de cabinet peut faire des signatures, depuis quand un directeur de cabinet peut nommer des premiers ministres. Vous confessez que la cruche a ce pouvoir. Vous confessez que la cruche a ce pouvoir. Donc, il va s'en servir. Il va s'en servir. En tout cas, vacance de pouvoir sera proclamée ne veut pas dire prise de pouvoir. La vacance de pouvoir n'est pas synonyme de prise de pouvoir. Et la prise de pouvoir, ce n'est pas la maison qu'elle viendra nous trouver parce qu'on aurait proclamé vacance de pouvoir. Le pouvoir, il se prend. Il s'arrache. On le prépare, on le travaille. L'acquisition se travaille. La division ethnique n'est vraiment pas à notre avantage en ce moment. Je crois qu'il est temps que chacun d'entre nous essaye de se surpasser et de sortir le génie qu'il a en lui. Le génie qui est en moi, je dois le sortir. Nous devons devenir des hommes politiques, nous devons devenir des activistes, nous devons devenir des analystes, nous devons devenir des observateurs. Mais surtout, nous devons garder à l'esprit que c'est ensemble que nous pourrions arriver à atteindre nos objectifs. C'est de ce dont il s'agit ici, en fait. Je l'ai dit, l'heure est au rassemblement. L'heure est à l'union. L'heure est à l'essentiel. Je suis jeune. Je suis le Gabon de demain.
C'est moi l'avenir. Quand je dis je parle de la jeunesse gabonaise. Je ne laisserai pas mon avenir s'hypothéquer, se décider par des gens qui ont fini leur vie, qui ont terminé leur vie. C'est mon avenir. C'est celui de mes enfants. Par conséquent, je dois me battre pour mon avenir. Je demande à la jeunesse gabonaise de prendre conscience, de se poser des bonnes questions. On vous a supprimé la bourse, c'est une distraction. La question n'est pas de revendiquer votre bourse. La question est de prendre votre liberté afin que plus jamais on vous la supprime, cette bourse. Vous n'avez plus d'amphithéâtre, vous n'avez plus d'endroit où apprendre. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif est de prendre votre envol afin que vous ne manquiez plus jamais de salle de classe. On a décidé que toute votre formation sera mise aux oubliettes. L'objectif n'est pas de manifester là-dessus. L'objectif est de prendre votre pouvoir afin que votre choix soit respecté. C'est de ce dont il s'agit en fait. C'est de ce dont il est question. Et cela, on ne peut que le faire ensemble. On ne peut que le faire dans une véritable prise de conscience, une véritable prise de position. C'est de ce dont il s'agit ici. Donc, je vais m'arrêter par là, en vous répétant ceci. Marie-Madeleine Bourantou serait en France. Kouna serait en France. La Crue serait en France. Certains membres de l'opposition et de la majorité seront en France, ou du moins sont déjà en France. On est en train de discuter sur les conditions de vacances de pouvoir. La Cruche souhaite que la France l'adobe, parce que n'est pas encore le choix de la France. Les images prises, il est soutenu par certains membres du PDG, prises à gauche et à droite, ont pour but de se vendre auprès de ceux qui doivent l'adober. Mais la Cruche a un souci de peau. Parce que l'Afrique d'aujourd'hui, ce sera un véritable scandale, même en Afrique du Sud, où ce sera tout à fait normal de voir un président blanc, ce sera toujours perçu comme un véritable scandale de voir un homme blanc devenir encore président dans l'Afrique subsaharienne. Ce sera le plus grand des scandales. Ce ne sera pas une réussite pour ceux qui soutiennent la Cruche. Pour Tony, ce ne sera pas une réussite pour toi. Ce sera de la pure lâcheté. Pour toi, encore Bocal, ce ne sera pas une réussite pour toi. Ce sera de la pure lâcheté. Qu'un blanc, au moment où tu étais en vie, au moment où tu étais homme, premier ministre, est devenu président à ton air. Tu as dit à tes enfants que le colon va reprendre le pouvoir. Et moi, en tant que votre père, je serai celui qui va le lui donner. Ce sera la honte. Ce ne sera pas une réussite. Toute personne qui aujourd'hui sont dit, oui le DCP, on te soutient. C'est une faiblesse, c'est une honte. Humiliation à vous. Toute jeunesse qui va soutenir cette possibilité de voir, nous serons le seul pays en Afrique après l'esclavagisme, le seul pays en Afrique qui va se revoir un blanc devenir chef d'État, à dire qu'il n'est ni père ni de mère gabonais, mais en plus un voleur connu de tous. J'aurais honte d'appartenir à ces terres. De grâce, attendez que je meure. De grâce, je ne veux pas vivre l'ère où le Gabon sera le premier pays en Afrique. Au 21e siècle, plus de 400 ans après l'esclavage, avoir encore un chef d'État. Même pendant la colonisation, un chef d'État n'a jamais été blanc. Peut-être en Afrique du Sud. Mais nous allons encore voir ça au 21e siècle au Gabon.
Et ce seront des Gabonais, des Noirs. Des Noirs, des Gabonais comme nous, qui seront ceux. Ce seront ceux, en fait, qui vont permettre que cela soit possible. Et ce sera une honte pour vous. Moi, je me battrai jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce que je perde ma vie, parce que je ne voudrais pas dire à mes enfants que j'étais là, j'ai participé, j'étais quand un blanc est devenu président en Afrique et que le Gabon était le premier pays au 21e siècle, le seul pays au 21e siècle à dire qu'il n'y a pas un seul Gabonais capable de pouvoir gouverner, il n'y a pas un seul Gabonais capable de pouvoir prendre notre pays en main, il n'y a pas un seul Gabonais capable de pouvoir dire je suis Gabonais et je me bats pour le vert jaune bleu. Quelle honte! Quelle honte! Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est quoi cette honte? Vous n'avez pas honte? Toi, Alexia Bissolo, qui chante « La cruche est arrivée, oh, la cruche est arrivée, oh », tu n'as pas honte. Tu te regardes dans le mur, tu te regardes, tu n'as pas honte. Tu n'as pas la honte, tu ne l'as pas. La honte. Toi qui pleurais dans les toilettes du QG de Ping, toi qui pleurais au téléphone, tu n'as pas honte. Pitié. Pitié. Il ne sera jamais. C'est là où moi je vais prendre l'avion et je vais rentrer au Gabon. C'est là où je vais rentrer au Gabon. Quand on me dira que la cruche où il se présente, je rentrerai au Gabon. Et ça, je me dis, je vais rentrer au Gabon. Ce sera soit vous allez me finir une bonne fois là-bas, parce que je préfère encore mourir que de voir cela possible. Et voir comment nos frères, nos propres frères, permettent que cela soit possible. Ils pensent que c'est une réussite. Échec. La honte. Maudit sois-tu, enfant qui aurait permis que ce qui ne peut plus être possible soit possible dans notre pays. Maudit tu seras. Franchement. J'ai lu. Écoutez, je vais vous faire écouter, suivre une vidéo. C'est-à-dire les mensonges que ces gens-là, ces hommes de couleur là, de couleur blanche là, viennent donner dans notre pays. Écoutez un peu ça. Écoutez. Je vais vous faire voir une vidéo. Hein? Vous allez écouter. Des choses que nos mères, une mère de famille, nos mères, les choses qu'elles sortent de leur bouche. Regardez ensemble cette vidéo-là. Vous allez voir ce que nos mères, nos pères font. Écoutez un peu. Regardez la vidéo. Le Gabon vient à coup sûr de marquer l'histoire dans la transformation du bois avec cet acte. Du bois de teck venu de Chine, précisément de la ville de Taïwan, sera transformé à Libreville. Comme il est de coutume dans la procédure, le dépotage s'est effectué en présence des autorités. Là, on est devant un conteneur qui revient de Taïwan avec les grumes de teck. On va procéder d'abord à lever le scellé, parce qu'il y a un scellé qui est là qu'il faut couper. Après, on va dépoter les grumes, parce qu'il manque de machines appropriées à Taïwan pour transformer ça. Cette initiative des autorités ouvre de nouvelles opportunités d'échanges commerciaux avec des pays de notre histoire. Écoutez bien. Avec cet acte, du bois de teck venu de Chine, précisément de la ville de Taïwan, sera transformé à Libreville. Comme il est de coutume dans la procédure, le dépotage s'est effectué en présence des autorités. Là, on est devant un conteneur qui revient de Taïwan avec les grumes de teck. On va procéder d'abord à lever le scellé, parce qu'il y a un scellé qui est là qu'il faut couper. Après, on va dépoter les grumes, parce qu'il manque de machines appropriées à Taïwan pour transformer ça. Cette initiative des autorités ouvre de nouvelles... Je vais revenir sur la partie là. Écoutez ce que cette femme-là sort de sa bouche. Écoutez très bien ce qu'elle sort de sa bouche. Écoutez bien. C'est là qu'il faut couper.
Après, on va dépoter les grumes parce qu'il manque de machines appropriées à Taïwan pour transformer. Parce qu'il y a un scellé qui est là qu'il faut couper. Après, on va dépoter les grumes parce qu'il manque de machines appropriées à Taïwan pour transformer ça. Cette mission. À lever le scellé parce qu'il y a un scellé qui est là qu'il faut couper. Après, on va dépoter les grumes parce qu'il manque de machines appropriées à Taïwan pour transformer ça. Voilà. J'aimerais que vous regardiez cette femme. J'aimerais que vous la regardiez bien. Cette femme, c'est la mère de quelqu'un. C'est la sœur de quelqu'un. C'est la grand-mère de quelqu'un. Mais pour moi, cette femme est une pute. Vous comprenez? C'est une grosse pute. Rien à foutre de qui elle est. C'est une pute et une vraie pute, une prostituée, cette femme-là. Hein? Elle s'appelle comment? On va regarder son nom. On va regarder son nom. Elle s'appelle Bernadette Makwana, chef de brigade d'Ovendo, Gabon. Une pute! D'accord? Hein? Une grosse pute! Ce que je vais vous expliquer est très simple. C'est ce que je vous ai expliqué ici, que les gens ont décidé de se prostituer parce qu'on leur donne des 5 000 francs, des 20 000 francs, des petits pouvoirs pour vendre notre pays. Elle dit que Dubois serait revenu de Chine en Taïwan pour être transformé au Gabon. Parce que en Chine, en Taïwan, il manque des machines appropriées pour pouvoir transformer ce bois. Par conséquent, on l'a renvoyé au Gabon pour qu'il puisse être transformé au Gabon. Cette femme-là est une pute. Vous avez compris? C'est une grosse pute. Pute. C'est-à-dire que quand tu es pute à ce niveau-là, tu fais peur. Tu comprends? La Chine, j'ai envie de dire, c'est le premier, sinon c'est le deuxième, non, c'est le premier, j'ai envie de dire, ou deuxième pays industriel au monde. Dis-moi un peu, Madame Bernadette, c'est quelle industrie au Gabon qui fabrique des machines de scierie? Hein? C'est quelle industrie au Gabon qui fabrique des machines de scierie? La chaîne à bois, la chaîne pour scier le bois, on l'achète en Chine. Le moteur, on l'achète en Chine. La tronçonneuse, on l'achète en Chine. Hein? D'accord? Les bennes pour transporter ce bois-là, ça vient de Chine. Mais tu sors de ta bouche, ta sale bouche là, ta bouche qui pue là, ta bouche là, qui pue là. Tu sors qu'en Chine, il n'y a pas de machine pour transformer le bois. Tu sors ça de ta gueule là, ta gueule, ta bouche là. Sale pute que tu es. Hmm? Parce que le bois que... Je vais te poser une question. Tout ça, c'est parce que tu veux faire croire aux Gabonais que ce fils de pute de Lee White a trouvé une solution pour transformer le bois au Gabon. Je vais te rappeler une histoire. Je n'ai pas pris le temps de vérifier, mais si tu veux, tu vas toi-même. Lee White est ministre depuis à peine quelques mois. Mais je vais te rappeler une chose. Si tu vas à Kingélé là, d'accord? Tu vas trouver plein de maisons en planche là-bas. Et à l'intérieur des maisons en planche, Le revêtement est en contreplaqué. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que Lee White n'arrive avec ses entreprises, ses pseudo-entreprises de transformation du bois, on fabriquait déjà du contreplaqué au Gabon. D'accord? Il y a plusieurs entreprises, plusieurs usines au niveau de Port de Ovendo qui transformaient déjà le bois en contreplaqué. D'accord? Et les Gabonais, si tu as remarqué dans ta maison où tu vis,
Dans ta vieille maison où tu vis là, le plafond là, c'est du contreplaqué. Et tu as plafonné ta maison avant que Lee White ne soit ministre des forêts. Par conséquent, ça veut dire que on produisait déjà du contreplaqué. Ça veut dire que il y avait déjà des machines qui produisaient du contreplaqué, des industries qui produisaient du contreplaqué. Donc aujourd'hui, à vouloir faire croire que c'est grâce à Lee White que désormais le Gabon s'est doté d'une usine de transformation du bois qui manquerait en Thaïlande et l'an et l'an et nous aussi et l'an bah de con pute que tu es. Ok, tu n'es qu'une sale pute. C'est vous là qui vendez le pays, c'est vous. Parce qu'on vous donne des petits 5000 francs. Tu viens parler à la télévision et ta sale bouche qui sent mauvais là. Tu ne t'es même pas brossé. Hein? Tu te regardes toi-même, on dirait une ivrogne. Regardez là, regardez là. On dirait une ivrogne, regardez là. Regardez là. Regardez. On dirait une ivrogne. Regarde-toi. On dirait une ivrogne, regardez là. Voici la maman de quelqu'un. Regardez là, regardez, regardez le visage. Regardez, regardez là. Hein? Fais bien la regarder, c'est cette femme là. Voilà les becals, et voilà. Regardez là, écoutez ce qu'elle dit, écoutez bien. Écoutez comment elle parle. On va le mettre au début. Nous avons vu à coup sûr de marquer l'histoire dans la transformation du bois avec ça. Voilà, cette machine là, hein? Au Gabon, c'est où? C'est où ça? Hein? Dis-moi, c'est où? C'est dans le Haut-Ogoué qu'on fabrique la machine là, la scieuse là, on la fabrique dans le Haut-Ogoué. Dans le Haut-Ogoué qu'on fabrique cette scieuse là. Cette scieuse vient de Thaïlande. Elle vient de Thaïlande, là où tu dis qu'il n'y a pas de machine pour faire ce que tu fais là. Elle vient de Thaïlande. Hein? Sale pute que tu es. Hein? La machine elle vient de Thaïlande. Voilà, regarde, regarde, suis. Bois de teck venu de Chine, précisément de la ville de Taïwan, sera transformé à Libreville. Comme il est de coutume dans la procédure, le dépotage s'est effectué en présence des autorités. Là, on est devant un conteneur qui revient de Taïwan avec les grumes de teck. On va procéder d'abord à lever le scellé parce qu'il y a un scellé qui est là qu'il faut couper. Après, on va dépoter les grumes parce qu'il manque de machines appropriées à Taïwan pour transformer ça. Voilà. Il manque des machines appropriées à Taïwan. Je ne sais même pas où c'est, en Chine ou c'est dans... En tout cas, c'est au Gabon qu'on trouve la machine ou la seule usine qui transforme le bois. Depuis que les Chinois prennent notre bois, emmènent ça en Chine, ou encore depuis que les Asiatiques prennent notre bois, emmènent ça en Chine, je suis sûr qu'ils transforment ça avec les dents. Hein? Depuis que les Chinois prennent notre bois, emmènent ça en Chine, ils transforment ça avec les dents, comme des castors. Ils rongent ça. Voilà, c'est ça qu'ils font. Et comme par hasard, désormais, il y a une machine. Et elle existe où? Elle est au Gabon. Oh, elle est au Gabon, la machine qui transforme le bois en contreplaqué. Elle existe au Gabon. Par conséquent, il faut envoyer des containers, transformer ça au Gabon. Et ensuite, ramener ça ici. Mais Lee White, tu es un génie. Sale pute. Grosse pute. Voilà. Écoutez quand même pas. Cette initiative des autorités ouvre de nouvelles opportunités d'échanges commerciaux avec des pays étrangers, notamment en matière de création d'emplois et de création de richesses. On est en train d'importer depuis l'Asie le bois non transformé parce qu'on a aujourd'hui la technologie ici à Wendo de trancher le teck, donc de transformer le bois qui vient de l'étranger au Gabon avec les machines au Gabon avec les techniciens gabonais. Regardez-moi cette image. On a désormais la technologie de transformer le bois au Gabon avec des machines du Gabon avec des techniciens du Gabon. Ça n'existe pas en Taïwan. Donc, Taïwan a dit, non, là, c'est pas bon. Oh, les Gabonais, oh, ils ont les machines. Mais il faut envoyer le bois là-bas. Oh, ils transforment et ils nous renvoient ça. Ils ont des machines que nous n'avons pas. Voilà comment les Gabonais vendent leur pays. La mer, là. Ça, ce sont des femmes. Attendez, je vais la montrer. Il faut la voir. Faut la voir. Attendez.
Je vais vous montrer des femmes. Voilà. Voici les femmes. Les mêmes mamans là qui se plaignent que leurs enfants ne partent pas à l'école. Les mêmes mamans là qui se plaignent qu'elles ne payent pas leur loyer, que leurs enfants accouchent à même le sol. Comme Lee White lui a fait les beaux yeux, voilà. Elle vient sortir des bêtises. Pas de con. Elle vient sortir des bêtises. Voilà les gens qui vendent au pays, les voici là. Voilà. Voilà les gens qui vendent au pays. On se bat pour que ces gens soient libres, mais eux, ils se battent pour être des esclaves. Et voilà. Voilà. Pour venir me dire, oh parfait, oh tiens, je suis la femme gabonaise. Ça, c'est la femme gabonaise. Voici la femme gabonaise. Vous avez vu, non? La voici. La femme gabonaise. Avec la bouchonnerie, une suceuse de bites. La voici, là. Sale pute, va. Voilà. Voici les gens qui voient, va. Parce qu'il manque des machines à copier à Taïwan pour transformer ça. Cette initiative des autorités. Avec tes narines, là. Ça avait tes narines là qu'on va transformer ça. Tes narines, on dirait des buses. C'est avec ça qu'on va transformer le bois là. Sale pute. Imbécile. En tout cas, je vais m'arrêter là. Donc je disais, hein, frères et sœurs gabonais, l'heure est au rassemblement. L'heure est au rassemblement. Notre pays a besoin de tous ses enfants. Notre pays a besoin de la prise de conscience de tous ses enfants. Notre pays a besoin de notre soutien. Notre pays a besoin de notre éveil. Notre pays a besoin de tout cela. Est-ce que vous comprenez? L'heure est au rassemblement. Ce n'est qu'une question de jour. Je dis bien, ce n'est qu'une question de jour. Vacances de pouvoir ne veut pas dire prise de pouvoir. Le PDG n'a pas l'intention d'arrêter. Ils ont goûté à l'argent, ils ne peuvent pas lâcher. Ce n'est pas en restant dans nos maisons. Ce n'est pas en faisant des discours de problèmes de xénophobie ethnique ou machin. Ce n'est pas en étant militant d'un parti politique ou pas. La prise de conscience est immédiate, obligatoire. Partagez ce message si vous le voulez. Mais il serait bien de le partager. Prenez conscience si vous voulez, mais il serait nécessaire de le faire. Ne racontons pas une histoire à nos enfants de « j'ai été parmi, mais ça n'avait pas, si seulement ne doit pas apparaître dans notre prise de parole lorsque nous allons raconter l'histoire du Gabon à nos enfants. Je voulais faire, ne doit pas apparaître. Faisons ce que nous devons faire et ce qu'il y a à faire. » Comprenez? Faisons ce que nous devons faire. Parce que notre pays, nous sommes en train de le perdre. Et nous sommes présents, nous sommes témoins de ce moment-là. Nous sommes présents, nous sommes témoins du moment où nous sommes en train de perdre ce pays. Nous le perdons et nous observons. Nous sommes tous étrangers en Europe. Nous savons ce que c'est d'être étranger chez autrui. Nous savons ce que c'est de vivre chez autrui. Nous voyons ce que nous vivons chaque jour. Nous témoignons ce que nous vivons chaque jour. Le seul endroit où nous pouvons nous sentir chez nous, nous sommes en train de le perdre. Ceux qui rêvent
de partir du Gabon, d'aller vivre à l'étranger. Je vous assure que si la vie à l'étranger n'est pas bonne, elle est difficile. Ne suivez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les photos, les machins. Laissez, je vous dis que cette personne, la vie à l'étranger, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Le seul endroit où nous pouvons vivre chez nous et aisément chez nous, c'est au Gabon. Et nous sommes en train de perdre notre pays. Nous sommes en train de perdre notre pays. Et des Gabonais, pour 10 000 francs, pour 5 000 francs, pour un poste, pour une promotion, pour un passage à la télévision, sont en train de vendre notre pays. Cette maman ne se rend même pas compte des bêtises qu'elle sort de sa bouche. Elle ne se rend même pas compte qu'elle condamne son enfant, qu'elle condamne ses enfants. Elle ne se rend même pas compte qu'elle condamne son avenir. Elle voit comment les mamans ont dormi à la belle étoile devant la CNSS. Elle ne se rend même pas compte que son acte va faire en sorte qu'elle fasse la même chose demain. Elle ne voit pas les pères qui ont cotisé leur argent à la banque, à la poste bancaire. Elle ne se rend pas compte que elle aussi va se retrouver dans la même situation demain. Parce qu'aujourd'hui, on lui a fait un passage à la télévision. Parce qu'aujourd'hui, elle aura une promotion. Qu'elle vient raconter des bêtises à la télévision. Parce qu'elle doit montrer que Lee White fait quelque chose. Lee White a dit qu'il crée une entreprise chaque fin de mois. Chaque mois, il crée une entreprise. Ça fait au moins 3 à 4 mois que Lee White est ministre. Lee White a créé combien d'entreprises? Combien de Gabonais y travaillent? Non, elle ne voit pas ça. Une ivrogne. Elle ne voit pas ça. Merci d'avoir suivi ce live. Merci de l'avoir partagé. Désolé si je me suis emporté, mais je pense que la question du Gabon, on ne peut plus juger un Gabonais parce qu'il s'emporte par rapport à ce qui se passe dans son pays. Ce qui se passe dans notre pays, c'est trop. Donc, merci beaucoup. Merci pour ceux qui ont suivi ce live. De grâce de bien vouloir partager ce live. Partagez-le sur le groupe WhatsApp. Partagez-le sur le groupe Facebook. Envoyez-le à vos amis, faites ce que vous voulez, mais faites en sorte que ce message soit accessible à tout le monde ou par tout le monde. Merci de m'avoir suivi. On se dit bonne journée ou bonne soirée. Alors, on se sépare avec encore le discours de notre maman. L'histoire dans la transformation du bois avec cet acte. Du bois de teck venu de Chine, précisément de la ville de Taïwan, sera transformé à Libreville. Comme il est de coutume dans la procédure, le dépotage s'est effectué en présence des autorités. Là, on est devant un conteneur qui revient de Taïwan avec les grumes de teck. On va procéder d'abord à lever le scellé parce qu'il y a un scellé qui est là qu'il faut couper. Après, on va dépoter les grumes parce qu'il manque des machines appropriées à Taïwan pour transformer ça. Cette initiative des autorités ouvre de nouvelles opportunités d'échanges commerciaux avec des pays étrangers, notamment en matière de création d'emplois et de création de richesses. On est en train d'importer depuis l'Asie le bois non transformé parce qu'on a aujourd'hui la technologie ici à Wendo de trancher le teck, donc de transformer le bois qui vient de l'étranger au Gabon avec les machines au Gabon, avec les techniciens gabonais pour après réexporter ce bois. Le fait qu'on peut amener le bois d'Asie, le transformer au Gabon et après le revendre avec un bénéfice qui va être réalisé sur Gabon, ça fait qu'on peut maintenant commencer à regarder ailleurs, importer du bois ici pour supplémenter la production du Gabon. Le Gabon a toujours été un pays qui exporte du bois. Aujourd'hui, il vient d'inscrire son nom dans l'histoire de la transformation des centres de bois étrangers. Déjà premier pays africain et deuxième dans le monde dans l'exportation de feuilles de plaquage, le Gabon, à travers cette action, se hissera parmi les grands états du continent. Et même encore, je vais même encore poser une question. Ils ont fait venir un conteneur. Donc, pour avoir transformé un conteneur de bois, le Gabon se hisse désormais dans les grands pays de transformateurs de bois. Et qui est le Seigneur?
Le Gabon se hisse parmi les grands pays de transformation de bois. Pour avoir transformé un soi-disant conteneur venu de Taïwan, on est désormais parmi les grands pays qui transforment le bois. Yeah. On ne produit même pas une tige d'allumette avec le même bois. On est des grands transformeurs. On est des grands dans la transformation du bois. La journaliste est une Gabonaise. C'est une Gabonaise, cette journaliste. C'est une Gabonaise qui dit ça. Ok. Ok, j'ai compris. D'accord. Merci. Merci beaucoup, hein. Merci. Bien. Je vous demande de passer une excellente soirée. Ciao. Les opposants,
c'est la mentalité du Gaboma qui peut dîner sa sœur sans effort. Ah, si on part à critiquer, jamais ne parle en proposant des solutions. Il veut pas faire le petit métier, il dit le presque quand c'est fort. Tu jettes à gauche, tu jettes à droite, mané, l'idéologie est la même. Un jeune MPD, un jeune métier, ça c'est le résultat du projet créé. Nos campus universitaires fermes, où sont les promesses tenues pour l'UEP? Le comité d'action politique en fait n'était que le réfectoire de la cruauté. La lutte d'ici n'en est pas politique, elle se situe au niveau culturel. L'état d'esprit que Poma comme Jean nous empêche d'aller au bout du tunnel. Le TRT est à quatre pattes, et c'est la France qui lui pète le colon. La base militaire une arnaque, elle ne défend que l'intérêt du colon. Mali, je parlerai d'elle. Hey, faut pas chercher à m'intimider, ton téléphone sur écoute. Hey, ils vont tenter de t'éliminer, t'emprisonner, t'empoisonner. Des fois ils ne peuvent que te faire peur, car chaque système est détenteur de son gène destructeur. Me plaît à terre, me plaît à terre, me plaît à terre. Ceci n'est pas un discours politique, non, je ne fais pas de récupération.